La 45e édition de la classique flandrienne Quand vive le game a eu lieu le 6 avril 1983, sortie dans les derniers kilomètres d'un groupe de 18 coureurs où figuraient notamment 4 de ses équipiers, le néerlandais de 24 ans de la formation Tyraleg, Leo Van Vliet, s'est imposé en solitaire après 255 km de course entre Gand et Wevelgem. Derrière, à 20 secondes, donc dans le groupe de 17 coureurs, s'est donc présenté pour la deuxième place et c'est Yann Rass, le leader de Leon Van Vliet, qui a réglé ce petit peloton devant le Belge Frank Host et le Néerlandais Adrie Van Der Poel. Quelques semaines plus tard, Leo Van Vliet remportera le classement général des 4 jours de Dunkerque.